Cette petite musique que j'espère vous entendez. C'est comme si je suis bien coiffé pour commencer l'année. Je crois que j'ai pas fini de préparer les scènes, mais si, si je fais comme ça, hop. normalement, vous avez toujours le son et vous avez la source de cette petite musique. Circuler euh, sur pas mal de Discord et de Twitter, de ce que vous voulez. Merci en l'occurrence à Arakis qui m'a fait tomber là-dessus. On va en reparler juste après. Hop, je vais vous couper ça. Et bonne année. Bonne année à toutes et à tous. Oh, mais il y a même des gens et tout. Alors ça commence très bien cette année. Vous êtes euh, tout de suite présents. Donc salut Stéphane, salut Nono, salut Trégui, salut Batkios, Kios. J'oublie personne pour l'instant, on verra qui se connecte ensuite. Et ouais, c'est parti donc pour 2023, il paraît. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. J'en ai profité pour, euh, pour faire comme ces, toutes ces dernières années là, depuis le Covid. Euh, on a pris l'habitude, euh, entre nous et les jours de l'an, d'aller filer ailleurs avec ma femme. On se cache, on va marcher tous les jours. et... Euh, et profiter euh, tranquillou euh, de, de, de se vider l'esprit. J'aime bien euh, l'effort physique, je trouve que c'est assez efficace. Donc voilà, un 31 relativement sage, une semaine relativement sage. Euh, J'ai quand même fait deux trois petites bricoles. J'ai un tout nouveau talk en préparation là, pour début février. J'ai un mois pour préparer tout ça. Vous en entendrez parler parce qu'il n'y a rien de prêt encore. Mais j'y travaille. Euh, et de toute façon, sur le Discord, on va commencer par ça. Hop, je vous mets le lien. On va bien commencer l'année. Venez, venez, on en parlera. Euh, je pense que je vous mettrai à contribution. J'ai quelques petites idées intéressantes. J'en dévoile pas plus ici. Il faudra passer sur le Discord si vous voulez en savoir plus. Donc euh, quelles sont les tentations? Je ne sais pas. Je... Je, 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 je devrais, hein, je devrais. Je dirais même euh, professionnellement, ça donnerait de la visibilité si je faisais un beau bilan 2022 et que je lançais 2023, que je faisais un article et tout et tout. Mais, euh, mais non, on va faire comme ça vient. Et pas de raison, on va faire comme calme. Un mois, t'es large. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que euh, me relancer. Euh, dans le circuit un peu des, des confs, ça veut dire préparer différents talks. Et euh, peut-être que j'aurais pas dû relancer le premier avec un sujet où il va y avoir euh, du cosplay, de l'IoT, du serveur. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça sera prêt, je suis confiant. Je suis confiant. Je suis pas tout seul, en plus, on est deux. Salut Pierre, pas d'inquiétude. Euh, mais c'est bien, ça m'a permis aussi de d'essayer de me, de me poser. Non, 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 je vais pas mettre 6 mois pour l'écrire, mais je pense que ce sera un talk qui sera vivant et qui évoluera dans le temps. J'ai a priori un objet à construire où il y aura une partie programmable à la fois de l'embarquer et puis euh, des choses côté serveur. Mais je pense me servir de ce concept-là pour plein d'autres trucs que le talk, faire des démos avec éventuellement et tout. Donc j'ai passé un peu de temps cette semaine. Euh, à redécouvrir et à repester euh, sur le discord vous l'avez vu passer euh. après euh, m5 stack qui fait de très jolis produits mais euh, les docks sont complètement claqués, euh. c'est infernal quoi euh, là la bonne blague c'est je voulais juste utiliser bah, je l'ai pas remonté là encore mais je vous montrerai les petits euh, m5 stick tout petit là mais c'est plus dessus euh, je pluguais juste un petit euh, capteur qui a deux, deux composants qui fait température-pression, un BM280 si je dis pas de bêtises, et puis un SHT30 pour la partie température. Et, euh, et tout ça, euh, normalement, connecté sur, le, sur la partie i square c Et les exemples de code et tout ce que je trouvais, en fait, étaient complètement faux, parce qu'à la base, les deux ports, les deux broches concernées, qui sont indiquées dans toutes les docs de M5 Stack, eh bien, elles ne sont pas bonnes! Et j'ai mis un certain temps à tilter et à retrouver les bonnes. Donc déjà, ça fait râler. Et puis, j'aurais voulu le faire, parce qu'en plus, ils ont un micro-python qui tourne, mais la doc, là, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est qu'il n'y en a pas. Il y a un truc qui te montre comment faire, allumer une LED, et puis après, démerde-toi, t'as rien. Donc, euh... Donc j'ai assuré mes arrières, j'ai commandé les petits capteurs, et s'acheter 30 à côté. Et euh, je vais voir, là, je vais aller piocher dans la réserve, je pense que je prendrai... Euh une fiseur M4 ou un truc comme ça, ou peut-être euh, peut-être une PICO W pour avoir la connectivité, parce qu'il va falloir que je communique. Donc, euh... donc non, je fais pas le chapeau de l'inspecteur Gadget, ça aurait pu. Ni le livre ordinateur de Sophie, non. Euh, je ne sais pas si c'est dans la description du, du talk public. Donc je ne vous dévoile pas tout de suite, on en reparlera. C'est lié à autre chose. Alors sinon euh, je, pourrais, euh, je pourrais effectivement, Triggy, tu as raison, hein, je pourrais rebasculer euh, sur la toolchain de l'ESP32, mais c'est un peu con dans la mesure où euh, la partie... Euh, bon, la partie Arduino, au final, j'ai réussi à m'en débrouiller. Il y a un peu plus d'exemples. Et puis, euh, puis c'est beaucoup plus intégré. Donc ça, j'ai eu un peu moins de mal jusque-là, en tout cas. Il y a un petit écran dessus, il y a toi. Donc repartir sur la toute chaîne de base, ça veut dire tout redécouvrir. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça. Euh, S'il si faut prendre une carte générique, je prendrai une carte générique, je prendrai un, un capteur à côté, mais j'utiliserai les libs. Euh, voilà, j'aurai tout ce qu'il faut effectivement. Je ne pense pas que j'ai envie de me prendre la tête avec un fabricant qui visiblement n'en a rien à cirer, de faire de la doc et du suivi de ses produits, parce que de toute façon, ils ne répondent pas aux questions. Donc, euh... Pourtant, les produits sont très beaux. Hein. Les corps, les corps 2 et tout ça, elles sont très jolis mais... Euh... Je trouve que le suivi est un peu, un peu minable. Euh, salut no yachting. Euh, donc hop, on va repasser. Donc ça c'est pour, pour le talk hein. après. Euh, je, je vous dirai au fur et à mesure 2023. Je fais pas de. Je sais même plus comment on dit. J'allais dire pas des promesses des. Ça y j'ai mangé le mot. Ça commence bien 2023. Ça commence fort. Enfin bref, je me promets rien. je ne De résolution, merci. Oh là là, c'est beau, hein, c'est beau, hein, un cerveau qui patine. Je n'ai pas de résolution, ça sert à rien, de toute façon. Des projets, j'en ai dépêlé donc on va déjà essayer de faire ça. Et puis voilà. Donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, et puis je vais vous partager, hop, si je ne me gourre pas. Tac. Euh... La petite musique que vous avez entendue au début, ça vient de ce conte-là de Tadairo Nita. Euh, et après, j'ai suivi les liens. Ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur, donc là, joue d'une flûte un peu traditionnelle, avec un accompagnement derrière, joué par un tracker qui tourne sur un MSX. Alors, les MSX, dans la partie rétro-computing, moi, c'est. À l'époque, des machines que je regardais beaucoup, j'en avais pas acheté parce que je suis passé du Spectrum à l'Atari 520ST au PC, mais c'est vrai qu'elles me faisaient un peu rêver, donc je, je jette un coup d'œil et puis c'est l'occasion de rejeter un coup d'œil à tout ce qui se fait en tracker, parce qu'il y a toujours des trackers, donc c'était ces logiciels où euh, c'était pas du, du MIDI, c'était on, on décrivait, il euh, y avait un séquençage ligne par ligne qui représentait chaque. Euh, son qu'on voulait produire, sa hauteur, sa forme, enfin il y avait un certain nombre de paramètres, et on faisait de la musique comme ça et je voulais re-regarder et j'ai vu qu'il y avait un émulateur et tout donc je vais je vais y jeter un coup d'œil, j'ai trouvé très intéressant son mélange d'un vrai instrument avec euh, avec des sons euh, des sons de MSX donc c'est super sympa et on a Triggy qui parle côté connectivité. Il y a les 0x64 qui font un peu rêver, mais le SDK Rust ne supportait pas le BLE et le Wi-Fi la dernière fois que j'ai regardé. Alors, euh, tu fais bien de dire ça, parce que j'aurais pas dû. Voilà, j'ai fait comme d'habitude, mais je le sais bien, au mois de décembre, faut pas faire de commande, c'est une mauvaise idée. Puisque j'avais commandé un calendrier de l'avant chez PyHut et puis un écran euh, rond que je voulais tester. Je ne les ai pas reçus. Je ne parle même pas du côté euh, faire le calendrier de l'avant. Je voulais faire des petites vidéos comme mon ami euh, euh, Les, qui a fait ça en anglais. Les Pounder, qui a fait des, des petites vidéos sur tout ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est assez sympa. Donc, je le ferai quand je le recevrai. Mais là, c'est coincé quelque part avec des HL dans un statut euh, complètement inconnu, même deux. Donc, j'attends des réponses. Et pour ce qui est des 0x64, tu fais bien de m'en parler parce que j'en ai commandé. J'en ai commandé deux, deux, évidemment, parce que ça va toujours par deux et je n'ai aucune nouvelle de ma commande donc il faut que j'aille voir ce qui se passe ce que j'aurais dû les recevoir et je ne les ai pas et oui, j'avais regardé parce que j'avais vu qu'il y avait euh, a priori un support euh, un support rust mais euh, voilà, pour le talk que je vais faire avec des technos que je connais et que je maîtrise un petit peu, euh, j'ai j'ai pas abandonné, j'ai fait un, on en parlera après, j'ai fait un peu de rust aussi pendant les vacances. Je verrai au fil de l'eau. Je trouve qu'on est encore euh, un peu trop loin pour moi. Euh, pour toute la partie Rust Embedded, je sais qu'il y a des choses, mais euh, ce n'est pas ce que j'appellerais quelque chose de fluide. Donc euh, on verra. On verra euh, quand je pourrai. Mais oui, la 0X64 est sur... Euh, normalement, je, je suis censé en recevoir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'irai voir, je sais pas, une 64. S'il y a eu un souci d'expédition ou peut-être... Ils ont pris des vacances. Je ne sais plus quand j'ai commandé honnêtement. Donc euh, on verra. Et puis... oui on parle de calendrier de l'Avent, euh, j'ai même pas terminé le Advent of Code. Je crois que j'ai même pas atteint. J'avais dit que je voulais atteindre le jour 9, j'y dois être au jour 6 ou 7, un truc comme ça. Euh, je sais pas si c'est fermé d'ailleurs. Est-ce que l'Advent of Code a une date de péremption Pas sûr. Euh, où est-ce qu'il est mon lien euh, Tac tac tac. Je sais pas si on a accès encore après la date. Advent of code c'est là. Et pourquoi j'ai coupé là n'importe quoi Pardon. Ouais oh, si on y a accès encore. Très bien. Ah non. On dirait qu'il me l'a remis à zéro. C'est bizarre. Je peux resoumettre le jour 1. Bon, bref, je regarderai. Je ne vais pas laisser tomber comme ça, il n'y a pas de raison. Euh, mais voilà. Donc, dans les... Puisqu'on parlait de tout ce qui était un peu 2023, il va y avoir donc euh, ce talk où il y aura du cosplay, il y aura un peu d'impression 3D, une partie Maker, une partie IoT, une partie serveur avec traitement des données qui sont balancées par un capteur. Euh, je devrais normalement, en même temps, dans ce montage... Je vous l'ai montré je crois l'autre fois mais j'ai enfin reçu le liquide qui allait avec. Euh, là ça va être terrible comme ça. Hop, je vous l'avais montré il me semble. C'est un, euh, un, petit, un petit moteur pour pulser un peu de l'air. Et euh, à l'intérieur, on insère du liquide. Ce type de petit liquide, hein, c'est les trucs de de. Hop. Voilà. Pour faire de la fumée. Et donc je ferai de la fumée normalement depuis l'appareil, on verra. Ah toi aussi tu voulais te faire la note euh, off code tête reposée. Moi c'est pas tête reposée, c'est euh, en fait euh, ça demande quand même pas mal de concentration. Euh, même à partir du jour 5 j'ai trouvé et euh, j'aime bien avoir le temps de faire comme il faut. D'autant plus que j'avais commencé, donc je le traçais en Python et derrière, je voulais le faire petit à petit en Rust. Et genre donc Python j'ai dû faire jour 6 et euh, Rust je dois être au jour 3 Donc euh, je trouve que c'est pas mal parce que j'aime bien leurs petits exercices là C'est un petit scénario, c'est pas mal Et un jeu de test c'est pas mal foutu Donc 2023 voilà, on va con continuer ça Il y a le, donc ce talk dont je vous ai parlé Je pense aussi me relancer un peu euh, dans tout ce qui est euh, initiation à Python Donc euh, je suis en train de réfléchir. Il va y avoir sûrement un talk sur ce sujet. Et puis, il euh, faut que je reproduise des vidéos posées. Je ne sais pas si je fais de l'initiation Python pur ou si je fais de l'initiation euh, circuit de Python micro-Python. C'est peut-être ça que je ferai. Ça m'a donné envie, là, cette petite semaine de refaire. Franchement, il y a un moment que je n'avais pas vraiment codé euh, euh, de l'embarquer et tout. Et c'est clair, c'est mon truc. Quoi. Ça m'éclate vraiment. Donc, il euh, faut que je trouve une façon de. D'en refaire et puis de reproduire un peu des vidéos parce que ça me manque aussi, ça de relancer mon petit DaVinci Resolve et puis de faire des choses propres. Je me referai un petit générique, des trucs comme ça. Donc, ouais, dans 2023, il faut qu'il y ait de ça. Il faut qu'il y ait donc, euh, bah, j'ai commencé, hein, je continue euh, euh, à faire un, du Rust cette année. Il faut que j'en fasse un peu plus. Euh, et puis surtout faire du Rust et aller jusqu'au Rust pour la partie aussi WebAssembly, parce que on verra, hein. je ne suis, suis pas convaincu que cette année ça soit mieux pour moi, mais on verra. Mais par contre la partie WebAssembly, ouais, au lieu de le faire en Go, je voudrais le faire en Rust dans la partie WebAssembly. Et ça me dirait bien de produire quelques petits trucs, quelques petits tutos, des choses de ce genre, donc euh, voilà. C'est dans la pile. Bayrou en tête. Ah bah oui, j'avais pas vu toi. il y a Bayrou en tendance, bah, écoute. Euh, je pense que c'est devenu une, un, peu, un Twitter. Là, je vous l'ai mis sur Twitter, mais je pense que. Parce que je continue pour la veille, euh, je me sers encore de Twitter pour la veille. Mais sinon, je suis plus facilement maintenant joignable, à la limite par, par Mastodon. Mais, euh, mais peut-être que je devrais essayer de faire ma veille aussi avec Mastodon. Tiens, je ferai ça, je me repérerai les liens un peu que j'ai chopés, qui viennent de certains comptes, et puis j'essaierai de. Je les ai pas tous transférés sur Mastodon. Donc, euh, mais j'utilise d'abord Mastodon en ce moment, et puis Twitter en deux. Donc. Euh, je vous ferai peut-être les prochaines émissions, hein, dès que ça sera prêt, je basculerai avec ça. En revoyant le, le tweet en question, euh... ah, il a une légion d'honneur, ce crétin. Ah, il n'y a pas de mots. Hein. Il n'y a pas plus. Ben, bref, je retourne ma veste. Euh, je vois le tweet et ça me fait penser que j'avais commencé en 2022 euh, mon alphabet japonais et euh, j'en reconnais plusieurs là, donc je suis pas tout perdu. Faudrait que je m'y mette. Et spécial dédicace, message à Aurélie, tu en avais parlé, il faut que je t'en recose aussi. On va peut-être essayer de se motiver à deux, à un rythme cool, mais peut-être qu'on va s'y remettre. Il n'y a pas de raison que je laisse tomber, c'est pas perdu ce que j'ai commencé. Donc, euh, donc j'espère bien aussi qu'en 2023, refaire un petit peu de, de japonais réavancé. On continue. Euh, je, donc là, c'était la partie MSX. Donc on verra ce que ça donne. Je vais, je vais creuser un peu. Euh, surtout le côté tracker après euh, MSX. Je ne vais pas acheter une bécane. Je n'ai pas la place. De toute façon, à la maison. C'est trop la misère de l'espace. Euh, dans les choses sympathiques, je vous avais parlé l'autre fois de PicoSynths. Qui permettait de faire du son sur pico J'ai bien entendu absolument pas eu le temps, ne serait-ce que d'installer pico à nouveau. Euh, il faut. Parce que c'était cette espèce de produit un peu étrange, un jeu produit sur le Pico 8 qui faisait, euh, comme dans Horizon, des modules de son et on pouvait assembler ça. Et si je vous parle de ça, c'est que. Alors, je vais vous le copier tout de suite. Voilà. Euh, Zepp, qui s'occupe de la compagnie Lexalofel, qui est derrière Pico 8 et Voxatron, euh, propose Picotron. Alors, qu'est-ce que Picotron Eh bien, c'est euh, une sorte d'évolution. Je pense qu'il y a une FAQ. Ouais, une FAQ. Je vais vous le faire là. Tac. Je vais vous envoyer le lien sur le Playground directement. Hop, je vais y aller. Ne serait-ce que comme ça. Voilà. Vous savez, la Pico 8, c'est cette petite fantasy console euh, avec des ressources limitées, programmable en Lua. Et donc, voilà, Picotron, c'est euh, une évolution dans ce sens-là. Comment il le définit Je vais zoomer un peu sur la FAQ. C'est une, au lieu d'une Fantasy Console, c'est une Fantasy Workstation pour faire des jeux en pixel art, donc comme Pico-8, mais euh, en allant un petit peu plus loin. Euh, C'est-à-dire que, bah, quand on voit dans la FAQ, « How does Picotron differ from Pico-8 euh, » Les concepts sont identiques dans le sens où c'est une machine aussi imaginaire. Euh, les spécifications vont être différentes dans le sens où il va proposer un écran un peu plus large que les 120 par 120 ou 128 par 128 de la Pico8. Les cartouches seront un poil plus grosses, je crois que c'est 256K là. Et euh, les outils seront aussi embarqués comme dans Pico8, mais on pourra intervenir à ce niveau-là. C'est-à-dire que. Euh, la plupart des, des, des outils donc, seront aussi non seulement écrits en Lua mais seront éditables depuis, la, le, depuis le PicoTron lui-même, euh, ce qui permettra donc là il donne l'exemple dans la partie éditeur on pourra créer une custom brush, on pourra faire des choses comme ça euh, pour voir euh, pour voir jusqu'où on peut aller. Je pense qu'il veut s'affranchir de certaines limites dans Pico8 mais sans abandonner Pico8 qui a son intérêt. Donc on peut, bah on va voir ce que ça, ce que ça donne. Moi j'ai toujours trouvé intéressant son Pico8, puis euh, ça me fait faire un peu de Lua. C'est pareil en 2023. J'espère que on pourra faire aussi euh, du, euh, alors ça s'appelle Cubelash maintenant. Vous savez le, la sorte de, de Minecraft entièrement programmable et codable en Lua euh, d'une euh, équipe euh, bretonne que j'espère nous verrons cette année au camping des Speakers. Il faut que je leur en parle d'ailleurs. Puisqu'ils sont de là-bas exactement. Euh, c'est du LEA aussi. Donc ouais, ça, dans le programme de 2023, je pense qu'on peut rajouter aussi ça. Et puis, euh, je vous en parlais tout à l'heure, dans les choses que j'ai fait hop, pendant les vacances. Je vous mets le lien, je vous l'ouvre pour vous montrer. Il y a. Euh, alors je ne sais pas dans quel ordre ça s'est passé euh, tout ça, mais je crois que c'est issu d'une partie Android où ils avaient un guide d'apprentissage Rust et voilà qui s'appelle Comprehensive Rust. Et Google a décidé de le diffuser. Euh, C'est pas mal. Alors ça se découpe selon eux sur quatre journées, mais vous allez à votre rythme. C'est une autre façon d'aborder Rust aussi et de l'apprendre. Euh, donc il y a bien sûr à chaque fois donc, euh, des, des concepts de chapitres, enfin, de, de demi-journée, euh, qui se terminent avec des exercices. Euh, les exercices, je ne sais plus où j'ai eu. Enfin, il y a un repository GitHub si vous voulez des, des corrections de toute façon. Et, et voilà, ce que j'en ai vu est pas mal. Je dois être, euh, j'ai dû finir le jour de, je crois, le jour de matin. J'ai dû finir un truc comme ça. Ouais, c'est ça sur les structures. Donc voilà, si vous voulez vous aussi vous mettre à, à Rust, c'est un, ça, ça a beaucoup circulé sur Twitter. Je pense que c'est euh, c'est une, euh, une bonne ressource également. Et puis, euh, et puis pour aujourd'hui, je ne voulais pas vous faire de toute façon une énorme émission. Je savais que ça papoterait, que ça ferait euh, bonne année et tout. Voilà, je suis bien coiffé décidément, hein. voilà. ma mèche rebelle. Euh, donc voilà, pas de, pas de gros bilan, sauf que si vous avez vraiment des questions, je vous ferai une émission spéciale. Euh, conclusion 2022 et on se lance sur 2023, mais... Euh, on en parlera au fur et à mesure. J'en profite pour vous recaler une dernière fois pour ceux qui seraient intéressés le lien vers le Discord. On en parlera effectivement là. Voici dans les projets. Hop, je vous avais montré ça l'autre fois que j'avais enfin reçu de notre ami Conduino de quoi de quoi faire du prototypage avec les calculatrices, avec les vieilles sharp là. 850, et puis on... J'en ai à expédier à d'autres personnes. J'espère que euh, Patrice, coucou, je sais que tu repasses à nouveau sur le Discord, pas encore sur les émissions. Euh, J'ai toujours euh, ton petit lot, euh, Laura, à te livrer. Il faut qu'on prenne un apéro et que je te livre ça. Ça sera déjà pas mal. Et déjà, Géron, le début 2023, je suis bien d'accord, Stéphane. <laughs> C'est pas toi que je vais dire ça. <laughs> euh, si dans le bilan 2022, je me dois en plus Stéphane est là. Hein, je... Je me dois de dire que je suis quand même très content de ce changement de boulot de, de, de fin d'année. Ça, je ne regrette pas une seule seconde. Et peut-être que je serai un peu moins dispo. Ben oui, je suis bien d'en de, parler. Je serai souvent en déplacement un peu plus, en tout cas. Et euh, lundi prochain, je pense que je ne pourrai pas faire d'émission, puisque je serai en déplacement à Brest pour aller rencontrer. Toute l'équipe, on se retrouve enfin tous ensemble au même endroit. <laughs> mais oui, mais oui. Et euh... et ouais, donc je serai un peu plus souvent en déplacement, donc j'aurai peut-être un peu moins de temps pour les émissions, mais je vais essayer de les garder parce que j'y tiens. Ou alors on fait une émission Love from Brest. Mais j'aime bien, non Pas une émission live, une émission Love. Non, non, c'est consacré à l'équipe, c'est consacré à l'équipe. Je trouve ça très très bien. Ou alors je le ferai brièvement depuis le téléphone, depuis. Euh... Depuis la séance de, de, de surf que tu vas faire, Stéphane, bien entendu. La température me semble appropriée. La météo également. <laughs> donc voilà. J'y je, je, ouais, tiens, ça c'est sûr sur 2023. Je tiens vraiment à, à maintenir calme et à essayer d'être le plus régulier possible parce que je sais que vous y tenez aussi. Ça m'a beaucoup apporté. J'espère que ça vous apporte aussi. Donc. Euh oui, dans les objectifs 2023, évidemment, on va maintenir calme. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut vraiment, parce que c'est quelque chose qui me passionne, il faut que je réattaque mes... les tutos live que je faisais sur la, la chaîne YouTube. C'est bien les lives, j'adore ça, mais se poser sur un contenu, le monter proprement. Ouais, plus j'y pense, plus je crois que ça sera sur du circuit de Python, en fait. Enfin, je... ouais. Juste du Python tout court. Euh, J'ai peut-être pas le... Il y a déjà tellement de ressources, c'est peut-être pas idéal. On verra. Mais je, je pense que ça commencera par du Python tout court. Et puis peut-être du, du circuit de Python. Et j'en profiterai très certainement. Euh, oui, euh, sur un. Sur Raspberry... Un Pico, sûrement, ouais, c'est probable. C'est une, euh, une bonne machine qui permet de voir plein de choses pour l'initiation. J'en ai des des, je verrai, des... des choses simples. Il faut que j'essaye de voir, parce que quand j'y ai réfléchi euh, la semaine dernière, je me suis dit que... Euh, j'aimerais que les vidéos soient alors accessibles en contenu, c'est une chose, mais j'aimerais inciter les gens à faire un petit peu d'embarquer, leur montrer que c'est pas compliqué, hein, que je connais des tas d'ingénieurs euh, extrêmement doués euh, dans le développement, d'autres euh, qui ne touchent pas au développement, mais tout ce petit monde peut se retrouver très facilement sur de la programmation d'objets. Et j'aimerais que ça soit à la fois du contenu compréhensible et que les gens puissent le faire. Et pour le faire, il faut qu'ils aient accès au matos. Et donc, il faut que je trouve euh, ce qui est facilement achetable, pas cher bien sûr, en France. La microbit, je l'adore, mais ça risque d'être quand même rapidement limité pour tout ce que je voudrais montrer. Et ouais, la Pico, c'est peut-être un bon candidat. Euh, il faut que je vois, en plus, je crois que c'est dispo chez Cubi, qui est. Enfin, ben, je vous en reparlerai aussi de Cubi, euh, qui sont des gens vraiment très très sympas. Je pense que 2023, ça sera à surveiller je vais sûrement produire du contenu pour eux pas moi à titre enfin si peut-être moi à titre individuel mais avec mixtine pour les enfants on va sûrement collaborer avec eux et on va sûrement faire des choses sympas avec eux notamment bah, on produit du contenu eux ils nous donnent des coups de pouce euh, j'ai vu pour un peu de matériel des choses comme ça grâce à, Aude et à Véronique. euh donc, ouais, peut-être que le Pico, euh, c'est peut-être un bon candidat parce que c'est facile à trouver, c'est pas trop cher. Parce que les trucs à la fraude, j'adore, hein, je suis toujours autant fan. Il y a des super docs et tout, j'adore. Mais euh, le truc, c'est que les cartes sont souvent un peu chères et pas toujours faciles à trouver, pas toutes en tout cas, euh, une fois en France. Donc, peut-être que la Pico, et notamment, je pense, la Pico W, ouais, pour avoir le Wi-Fi, euh, je pense que c'est une bonne carte. Elle est assez accessible, surtout en circuit de Python. On peut aller plus loin, on sait si on a envie. Euh, on peut également... Euh, je, puisque je viens de le voir là, il y a, il y a des choses a priori euh, qui, qui en parlait tout à l'heure, je crois que c'est guy Il y aurait euh, du support qui est en train d'arriver pour Rust, donc pourquoi pas. Et elle a des concepts intéressants, puisque... Elle a des, des broches dont le comportement est programmable avec le petit langage spécialisé là. Donc euh, ça peut être une, une bonne... Je vais regarder. Elle, elle me semble pas très chère, elle me semble facilement accessible. Donc je ferai peut-être l'initiation avec ça. On verra. Euh, bah écoute... Euh... Noivoting, j'ai rien contre le fait de créer un, un channel circuit de Python, mais euh, jusque-là... Euh, on a toujours tout fait. Il euh, y a un... donc allez sur le Discord, je vous ai mis le lien. On a un channel d'aide au code un peu générique qui peut servir. On en a un sur la partie microcontrôleur qui peut servir aussi. Je peux dédier et faire un canal juste pour circuit de Python, mais comme on mélange du micro Python, du circuit Python, du C, si on les, je suis pas sûr que ça soit nécessaire. Et euh, oui, euh, oui, Poule 3 oui, euh, effectivement. Euh... Le, le, lang, le langage là, le, qui permet de programmer le comportement des broches Il ressemble énormément à de l'assembleur aussi. Ouais, c'est assez rigolo. Ouais. J'en ai, ai, ai pas trop fait. D'abord, euh, parce que c'est moins mon domaine, mais peut-être que c'est l'occasion. Je suis pas sûr en 2023 que j'arrive à faire suffisamment de Tiny Go, parce que j'aimerais en refaire aussi. Et j'aimerais piger notamment le développement. Alors, tiens, un appel si vous êtes là maintenant, ou si vous voyez cette vidéo en replay que ça sort sur Twitch ou sur Youtube, si vous êtes capable de prendre un peu de temps et de m'expliquer comment on écrit un driver en TinyGo, j'en sais rien, pour un capteur, pour un écran, quelle approche, quelle mécanique, comment on s'y prend. Moi je suis preneur parce que je trouve qu'il y en a... Il y a pas suffisamment de guides pour, euh, pour plonger là-dedans et, et je pense que TinyGo aurait besoin de gens capables de programmer la partie driver. Le support basique de la plupart des cartes maintenant arrive, mais derrière, c'est pas toujours très très clair cette partie driver pour moi et je pense que c'est un frein à l'adoption de TinyGo. Et c'est dommage, c'est un, un des langages qui peut être cool pour de l'embarquer. Et donc tu nous dis, Poulpe 3 euh, les broches programmables, c'est hyper performant quand il y a du temps réel, trop exigeant pour un Arduino. Oui oui, sûrement. Je, pas de l'intérêt du truc. Hein. C'est juste, c'est pas mon, c'est moins mon domaine, donc j'ai du mal à, à visualiser les, les usages. Mais euh, je doute pas que, c'est... quand je vois la, le nombre de choses qui se discutent euh, sur les différents forums et Discord autour de ça, je ne doute pas que ça ait son usage, hein. pas du tout. Donc voilà, on est pas mal en modélisme radio contrôle, ouais, 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 en RC, ouais, ouais. Donc voilà, c'est pas trop mal pour démarrer 2023. Euh, donc je pense que ça va être difficile de vous faire une émission euh, la semaine prochaine, le lundi en tout cas. Euh, donc je suis pris le lundi-mardi. Peut-être que je le ferai, si j'ai pas le temps, le lundi. Je ferai peut-être le mercredi à ce moment-là, on verra. Euh, bah Dites-le moi, euh, soit en commentaire dans le replay, que j'ai toujours pas publié, je dois avoir au moins trois émissions de retard. Euh, soit, euh, soit sur le Discord passer en discuter et ben on va dire que c'est pas mal pour aujourd'hui je sais pas ce que vous en pensez euh, j'ai avancé quand je regarde mon stream deck là je vois que j'ai à peu près tout reprogrammé même si j'ai pas mis les jolies petites icônes c'est à peu près utilisable maintenant ça y est faut que je refasse le truc qui m'ouvre en même temps le lien que j'ai pas à cliquer dedans mais je crois que j'ai le plugin maintenant il marche donc euh, tout est bon je vais vous souhaiter sur ce une excellente... Alors, une bonne année, effectivement. Comme j'ai dit sur Twitter, je vous souhaite surtout des choses simples et heureuses. Et puis, on va commencer déjà par aujourd'hui. Passez une bonne journée. Terminez bien la journée. Et à très bientôt. Bye, bye.